been looking for answers, something more. À tes souhaits. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien malgré cette crise, voilà, avec le coronavirus. Franchement, c'est devenu un truc de fou. Là, le jour où je filme, on est le dimanche 15 mars. Je pense que cette vidéo sortira après Pâques. J'espère que la situation se sera un petit peu rétablie et qu'on aura pu fêter Pâques avec les enfants comme voilà, comme toutes les autres années. Je sais pas trop. En tout cas, pour penser à autre chose, je vais te faire un haul nose. J'ai été du coup le samedi 14 mars, hein, comme tu peux le comprendre. Je n'ai pas été pendant que tous les magasins et tout ça étaient fermés. Donc j'ai trois gros sacs à te montrer. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Petite précision, si je ne trouve pas le prix sur l'article ou quoi que ce soit, je te mettrai le prix ici ou par là. On va commencer avec une veste pour mon chéri. C'est en rouge bordeaux, tu le vois un peu plus clair, mais voilà, il est un peu plus foncé qu'à la caméra. C'est de la marque Millers & Monroe. Voilà, je ne sais pas du tout combien que ça coûte de base. Et il a payé seulement 6,90€. Et voilà, c'est une veste polaire hyper bien pour la fin d'hiver, début de saison. Je continue avec ceci, c'est mon chéri qui l'a pris, c'est un petit sac que tu peux mettre tes chaussures dedans pour aller dans la machine à laver quoi, hein. Avec un petit système comme ça pour fermer, élastique, c'est en bleu marine, ça avait coûté 99 centimes, ouais, donc voilà, très bien pour mettre la machine à laver avec tes chaussures là-dedans ou autre chose, hein, peu importe. Une petite boisson comme ça de la marque Oasis Aquafruit. Donc c'est de l'eau aromatisée à l'abricot. Il y a 1 litre 2. Ça franchement je pense que c'est très très bon. On continue un petit peu dans le rayon bouffe, hein, obligé avec Nose. Mon chéri a pris ça. C'est un lot de 5 barres de céréales de la marque Gran Céréales. Voilà. Combien c'était? 1,29€. Les 5 petites barres de céréales. Donc ouais c'est un petit chouïa cher mais je pense que c'est de la marque. Et d'après les images qu'il y a là, ça doit être pomme cannelle, le goût des barres de céréales. Donc voilà pour ces petites barres. On continue avec ces barres de céréales aussi, Kellogg's. Mon chéri adore cela, c'est à la fraise, enfin un fruit des bois un peu. C'était 1,29€, pareil, et je ne sais pas combien par contre il y a de barres de céréales à l'intérieur. Ah si, 6 barres de céréales à l'intérieur. Mon chéri a aussi trouvé cette petite boîte hyper sympa, il y a marqué Morbihan vu qu'on est du Morbihan. Donc voilà, avec plein d'images de notre belle Bretagne. Et cette boîte-ci coûtait 75 centimes, il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide. Hein. Moi au début je croyais qu'il y avait des gâteaux, mais non. Ah oui, là il y a de nouveau plein de bouffe. De nouveau des petites barres de céréales, il y en a 6 à l'intérieur, c'est de la marque Lu. C'est des granis comme ça, avec 5 céréales à l'intérieur et c'est au goût noisette. Voilà, donc ça c'est hyper bon. Pareil de la marque Lu, c'est des petits biscuits comme ça, sans gluten, parce que moi je suis un petit peu allergique, mais ça va encore. Mais voilà, il y a 6 sachets de 8 biscuits à l'intérieur. Ah ouais, quand même, ça vaut le coup. Encore au niveau biscuits de la marque Lu, des mini princes comme ça, des petits sachets. Il y en a 4 sachets avec je sais pas trop combien de biscuits à l'intérieur. Mais voilà, des petits biscuits nickel. Alors, mon chéri, fan de Dragon Ball Z, j'avais vu ça dans le magasin. C'est des petites cartes, en fait, qui coûtaient 1,99€ chaque paquet. Je sais pas du tout combien il y a de cartes à l'intérieur, mais en tout cas, il en a pris plusieurs avec le packaging différent, au cas où ça a été les mêmes cartes à l'intérieur. Donc voilà, il en a pris quand même pas mal. Donc ça pour les fans de Dragon Ball. Et puis j'ai vu qu'il y avait plein de pop, mais moi je suis pas trop pop, mais il y a plein de pop aussi, pas de Dragon Ball, mais de plein d'autres choses. Donc Nose, en vrai ça vaut le coup pour ça. On ne peut pas passer dans le coin DVD sans en prendre quelques-uns. Et là mon chéri a craqué pour celui-ci, les aventures de Spirou et Fantasio, avec Géraldine Nakache, qu'on adore tous les deux. On continue avec la trilogie de Men in Black. Franchement, on adore tous les deux, Will Smith et tout ça. Alors attends, ce DVD-là, il coûtait 2,90€, les aventures de Spirou. Celui-ci, 3,90€. Mais enfin bon, il y a 3 DVD à l'intérieur, donc ça vaut le coup. Et pareil, la trilogie des aventures de Spider-Man.
qui coûtait 1,50€ seulement. Franchement, là, je pense qu'on a fait une affaire avec, avec cette trilogie-là. Donc, on a de quoi se mater des DVD hein, pendant notre confinement. C'est bon, ça va assez vite. Il me reste seulement mon gros sac. Voilà, tout ce que je t'ai fait montrer avant, c'était les achats de mon chéri. Voilà ce que je me suis trouvé. Je trouvais ça déjà trop joli, le packaging très fleuri comme ça, avec des fleurs d'hibiscus. Très été, en fait c'est un grand carnet avec une to-do list et plein de petites choses pour marquer des notes. Ça coûtait 2,20€. Donc voilà comment ça se présente, tu vois qu'il y a plein d'espace pour marquer des petites notes. Ouais, une to-do list, qu'est-ce qu'il y a marqué ici, notes, et pareil ici c'est pour marquer des notes. Donc c'est hyper grand, je trouvais ça hyper pratique quoi, et c'est détachable. Par contre il n'y a pas de petite bande adhésive pour coller autre part, mais rien que le packaging, franchement moi j'adore. Je me suis déniché un petit plat comme ça pour la cuisine, c'était 1,99€. J'aimais beaucoup le fait que ça soit entre guillemets en cuivre. Donc voilà, nickel, c'est assez grand pour faire un petit gâteau là-dedans. J'ai déniché ça aussi, c'est un gel douche à l'aloe vera. Ça coûtait en plus seulement 69 centimes. C'est tout operculé, mais voilà, c'est un gel douche à l'aloe vera avec un pH neutre. Très bien pour mon chéri. J'ai repris des petites ardoises comme ça, rose et bleu. En fait, c'est pour le jeu de lui, elle, moi, pour notre mariage. Je pense que nos témoins auront besoin de ça s'ils veulent nous faire le jeu. C'était seulement 79 centimes chaque. C'est dommage que derrière, c'est quadrillé parce que ça aurait été mieux que les deux côtés soient toutes blanches comme ça. Mais bon, franchement, ça vaut le coup. Avec les petits crayons et en plus au bout du crayon, il y a de quoi effacer sur la plaque. Et si c'est trop taché, un petit coup de dissolvant, ça part nickel. J'ai pas pu résister à des petits biscuits comme ça, fourrés tout choco à 95 centimes. Je sais pas combien il doit y en avoir à l'intérieur, mais il doit y en avoir un petit paquet. C'est de la marque Bourbon Cream et je pense que ça a l'air très très bon. J'ai repris les petites briques de jus d'orange, voilà. C'était 1,99€ pour 6 petites bouteilles. C'est de la marque Ortex et franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je les ai reprises. J'ai profité d'une petite promo, c'est des lingettes démaquillantes 3 en 1 de la marque Pure. C'était 0,99€ moins 50 centimes, donc autant te dire que je les ai eues vraiment pour rien. Il m'en fallait pour quand je pars par exemple en soirée karaoké ou quoi que ce soit. Et ben il m'en faut, comme ça j'ai pas besoin d'utiliser et d'emporter ma serviette démaquillante qui est encore humide. J'ai trouvé cette petite carte avec joyeux anniversaire, quelques fleurs pour te souhaiter une merveilleuse journée. J'ai trouvé la carte hyper jolie, elle était seulement à 75 centimes. Je sais pas s'il y a une petite enveloppe dedans. En tout cas, je trouvais super jolie. J'ai aussi trouvé ces petites bougies là, voilà, je trouvais ça sympa. C'est un peu style zèbre, léopard, c'est de la marque Cake Angels. Et c'était seulement à 50 centimes. J'ai trouvé ça aussi, c'est pas pour moi, c'est un petit carnet comme ça. Comme quand on était adolescente ou qu'on pouvait fermer avec un petit cadenas. Mais je trouvais hyper joli la licorne comme ça. Il y a marqué Be Unique, donc être unique. C'était 2,50€ le petit carnet. Ça, je sais à qui je vais l'offrir, ça c'est sûr. Continuons du coup avec les petites bougies de la même marque, hein, Cake Angels. C'était des petites bougies comme ça. Ça, je pense que ça va être aussi pour l'anniversaire d'une de mes nièces ou d'un de mes neveux. C'était seulement aussi 50 centimes, donc ça vaut le coup. Je me suis pris cette petite... Ça me gratouille. Je me suis pris cette petite bombe de Merci Andy. C'est une bombe rafraîchissante pour l'été qui disent pour le visage. C'est une brume, mais les brumes comme ça pour le visage servent aussi à... Tu m'as compris, je crois, à fixer le maquillage, voilà. C'était seulement 50 centimes. Il y a plusieurs parfums, donc moi j'ai celui-ci, c'est Flower Power, voilà. On va la tester tout de suite, parce que je me suis maquillée aujourd'hui, malgré que je ne sors pas de chez moi. Je suis carrément en pyjama, hein, c'est pour te dire, mais bon, ça passe quand même. Voilà. C'est vrai que ça sent bon. Je vais te faire montrer mes petits achats make-up Kiko avant de te montrer les petits vêtements que j'ai trouvés là-bas à Noz. Alors pour le concours des 800 abonnés, il y aura 2 gagnants et pour celui-là des 900 abonnés, il y en aura 3. Mais pour celui-là des 800 abonnés, il y en aura 2. Donc je me suis dit, je vais passer dans le rayon avec les petits produits Kiko et je vais bien trouver des petites choses sympas.
Et donc j'ai trouvé ceci tout d'abord. Ce sont des blushs. Voilà, color blush fard à joues à 1,19€ chacun. C'est la teinte 07. Voilà, les deux identiques. Donc voilà, je me suis dit, ça sera des petits produits Kiko. C'est pas négligeable. Voilà, 1,19€, je fonce et je les prends. Et donc j'ai aussi trouvé ça, ce sont des ombres à paupières. C'est la référence 17. Voilà, c'est smart. Ils disent que c'est eye pigment. Donc voilà, des petits fards à paupières qui font un peu base, je trouve. Donc je mets ça là-dedans. Et avec tout ce qu'il y a déjà à gagner, je pense que les deux gagnants du concours des 800 abonnés seront ravis. Et donc je vais maintenant terminer avec les vêtements. Et je ferai sans doute des petits try-on, des petites insertions d'images avec les vêtements. Essayez. Enfin, pas tous, hein. Faut pas abuser non plus. Alors, j'ai trouvé ceci, c'est un bandeau soutien-gorge. Je trouvais hyper joli la couleur comme ça, vert bleu. C'était seulement 50 centimes, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je crains que ça soit un chouïa petit, c'est 85A. Et je fais un gros 85A, petit 85B. Donc voilà, c'est pour ça que je crains que ça soit un chouïa petit. Je te mettrai ça ici, mais je trouvais joli avec la petite dentelle. Ça à mettre en dessous un petit top pour pas avoir de bretelles, je trouve ça chouette. Et en plus, il y a toute une bande, voilà, anti-dérapante tout le long du soutien-gorge à l'intérieur. Donc voilà, je trouve ça sympa. J'ai trouvé aussi un petit t-shirt blanc, voilà. Bon, il doit être transparent celui-ci, il y a marqué bisous de fille, voilà, je trouvais hyper sympa. Avec des petits volants au niveau des manches. C'est de la marque quoi? C'est de la marque Jennifer, voilà, c'est une taille S. Je sais pas c'est quoi le prix de base, mais je l'ai acheté 99 centimes. Donc du coup, pour le prix, je me suis dit ça avec un t-shirt cet été, ça sera nickel. Et on termine du coup avec une jupe, c'est mon chéri qui me l'a trouvé. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop court? Mais en vrai, je vais mettre un petit shorty noir en dessous. Et puis moi, comme ça, je serai pas du tout gênée de savoir si oui ou non on va voir sous ma jupe. C'est une petite jupe comme ça. Alors ouais, elle fait courte, hein. Mais bon, avec un petit short et des petites baskets, ça fera l'affaire. Là, je sais pas si tu vas bien voir, mais en fait, il y a tout un pourtour de dentelle comme ça en haut et en bas, voilà. Ou sinon, c'est des petits volants comme ça. Je la trouvais jolie et en plus, je crois qu'elle coûtait pas très très cher. Elle coûte combien cette jupe là? C'est de la marque Romati. Alors je sais pas si c'est une taille S ou XS, mais je l'ai essayé par-dessus mon jean dans le magasin et ça allait, donc ça doit être une taille S. Donc voilà pour ce big haul nose, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il n'aura pas duré non plus trop longtemps. J'espère que tu vas bien et que le confinement se passe bien. Voilà, bref, en tout cas je te souhaite bon courage pour toute la fin de ce confinement à cause du coronavirus et que ça sera fini bientôt. Voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos, à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui ressemble à ça, là, juste là ou ici, s'abonner. C'est gratuit et ça me fait plaisir, comme ça on arrivera au plus vite aux 800 abonnés et qui dit 800 abonnés dit concours, voilà. Et n'oublie pas la petite cloche à côté, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!